homme de Dieu. Mais nous, on a souvent la réception en qualité de voleur, de bandit. C'est quand tu as les problèmes que le prophète va aller voir le prophète. Mais quand tu as un coup de bonheur, ou bien quelqu'un témoin, tu dis, non, les choses là, c'est des fausses choses. Non, on ne connaît pas les histoires là. Dis donc, là où ton père t'a laissé, tu quittes pour nous raconter. Mais quand ça te prend, là où ton père t'a laissé, tu pars là-bas, rien de foi, mais on ne te regarde pas. Tu vas dire que amenez-moi n'importe où maintenant. N'importe où, comment, là où ton père t'a laissé là, c'est comment? Alléluia. Ne soyons pas bêtes dans le langage. Il faut savoir ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire. Et ceux qui reçoivent un juste en qualité de juste recevront une récompense de juste. Le juste, c'est qui? C'est celui qui est un homme simple et pieux. Ne serait-ce que la joie que ton frère a eu dans le cœur parce que tu l'as aidé. Mon frère, ça va te débloquer la vie. Parce que chaque jour qu'il va dire aux gens, comment on va avec la montée là? C'est grâce au prophète Achille. Que Dieu le voit. Mon ami, même si tu étais devant le péché, le Seigneur ôte le péché. Amen. Alléluia. C'est ça, c'est pour cela que le partage est bien. Amen. Quand on te dit, tu donnes pourquoi? Que tu as d'abord quoi? Tu as d'abord quoi? Hein? Tu n'as pas quoi? Est-ce qu'on va attendre pour en avoir beaucoup pour partager? On doit partager. Parce qu'à base de cela, le Seigneur nous donnera beaucoup. Et quand on parle du juste, le juste c'est celui qui est pieux. Quelqu'un qui ne veut pas le mal aux gens et que peut-être il passait, il a soif, il a demandé de l'eau, on lui donne. Et tu vas voir d'autres personnes qui te disent, pourquoi tu lui donnes de l'eau, tu le connais où? Alléluia. Yeah. Des fois même tu peux reconnaître ta femme, tu donnes l'eau là à qui? Tu vas dire que c'est simple, n'est-ce pas? Comme tu as contrôlé là, viens encore contrôler demain. Comme tu as vu là, non? Viens voir demain. Ne soyons pas bêtes. Amen. Tout ce qui peut se faire devant nous, même si c'était négatif, faisons que ça devienne positif. Pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu te demandait de faire. On ne doit pas crier la négative quand on nous demande de faire la positive. Nous allons continuer. Et quiconque...